Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le facteur, enfin, c'est mon dieu relais. Voilà, j'ai eu un colis d'un de mes abonnés, je dis bien un de mes abonnés masculins. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Ludovic, donc je vous parle des fois, il m'est arrivé de prononcer son prénom deux, trois fois, puisque c'est lui qui a gagné le premier lot du dernier concours Diamond Painting, voilà. Et il m'avait dit, je vais t'envoyer un colis, voilà, pour toi et Chouchou. Voilà, il a pensé à nous deux, c'est super. Alors Ludovic, merci beaucoup. Chouchou te fait un grand merci aussi, mais tu sais qu'il ne veut pas se mettre sur les vidéos. Donc je passe le message moi-même. J'étais chercher ton colis que ce matin, parce que bon, hier j'étais complètement patraque. Bon, là ça va un peu mieux. Je n'avais pas la force d'y aller. Franchement. Donc, j'étais chercher le colis aujourd'hui. Voilà, oui, j'ai déjà enlevé les scotchs, tout. Et, waouh, la boîte, elle est belle. Rien que la boîte est belle. Dessus, il y a la marque, il y a une marque. Bon, je ne la montre pas parce que, bon, comme c'est une marque connue et reconnue, je ne veux pas avoir des soucis. Mais c'est une marque... de luxe, on va dire, oui, voilà. Donc, ta boîte, je crois que je ne vais pas la jeter. Elle va me servir, je vais ranger des choses dedans. Mais voilà. Alors, hop, et en plus, elle a un beau couvercle. Donc, et elle est aimantée, je crois. Ouais, elle est aimantée en plus. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas jeter la boîte. Alors, par contre, il y a du... Ça fait bien emballé. Ça, pareil, je vais le déchiffonner et je vais les garder. Les papiers de soie. Alors, dedans. Oh là là. Alors, j'ai juste enlevé les scotchs. J'avais enlevé le nom. Mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc... Tu veux que je bosse, hein? Tu veux que je bosse? Allez, on commence par Chouchou. Je vois que c'est marqué Chouchou. Donc, on va commencer par lui. Alors, un diamond painting pour Chouchou. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Je vous montre le dessin avec des chevaux. Je crois que tu as vu qu'il aimait les chevaux, hein? Super beau. Je crois que ça va lui faire très plaisir. Alors, c'est un 40-60, donc ça, c'est les DP de... Comment ? Hop, voilà. Les DP de chez Action. Bon, je vous le montre comme ça en vitesse. Hop. Hop. Voilà. Alors... Je vous montre, voilà le DP, très très beau. Voilà, je crois que celui-là, quand bon, désolé, avec la lumière ça brille, avec quand il sera fait, il va être très beau. Alors, dedans, on a les alors, je sais pas si je vais toutes les sortir, mais comme d'habitude, on a des perles en chapelet. Voilà. Par contre, le nombre de couleurs, je vais vous le dire. Hein. Tant qu'à faire. Non, c'est pas là-dessus. Action, c'est là-dessus. Alors, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 couleurs. Voilà. Donc ça, c'est le... Et voilà, on revoit le dessin ici. Trop beau. Merci beaucoup pour Chouchou. Hop.
Il y a la petite tablette, comme d'habitude. Mais les DP de chez Action sont vraiment très beaux. Hein, et le résultat est toujours très, très beau. Hop. Alors, je vais le mettre sur le côté. Je remballerai bien après. Pour le mettre dans sa caisse à DP. Pour qu'il puisse le faire après. Alors, moi, tu veux que je bosse? Oh là là, mais tu m'en as mis combien? 3. Ah, bah, il y a des petites enveloppes. On va d'abord ouvrir les petites enveloppes. Il y a encore du papier de soie. Voilà. Alors, chouchou. Alors, on va ouvrir chouchou. Voilà. Ah, et puis, pochette comme ça. Oh! Oh, il est beau. Ah, il est beau. Il va aimer. Un stylet. Voilà. Regardez-moi ça. Il est vraiment très, très beau. Donc, avec... pour mettre une d'un côté. Et là, 3. Des fois, on arrive à mettre 4. Hein. Voilà. Voilà. Ici, on met 4. Il est très... En plus, il est léger, il est bien. Il est vraiment beau. Merci beaucoup pour Chouchou. Voilà. Alors, oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. Des aimants. Donc, des covers Minder, si je ne me trompe pas. Ou alors, aimants aiguilles aussi. Donc, moi, je peux m'en servir soit sur le DP, soit sur la broderie. Regardez-moi ça. Alors, attendez, je vais vous les montrer un par un. Trop joli. Les petits poissons. Et celui-ci, tout en rose. Trop joli. Bah, écoutez, pour l'octobre rose, il est d'actualité, celui-là. Trop, trop beau. Merci beaucoup. Hop, on va les remettre dans la petite enveloppe en attendant. Ah, il y a une dernière enveloppe. Pour Didit, encore. Eh ben, je suis gâtée. Ah, voilà. Toujours dans la petite enveloppe. Ah, super. Ouais. Le vernicole de chez Cléopâtre pour les DP. Bon, là, vous le voyez à l'envers. Je suis désolée. Vous le voyez en effet miroir. Ah, super. C'est ce que moi je me sers donc pour mettre sur les objets en DP. Voilà, ou ce qui n'ira pas en encadrement. Oh, merci beaucoup. Voilà. Et le, oui, il nous a gâté, hein, Ludovic, il nous a gâté. Alors, je vous montre déjà comme ça. Une broderie, on va les déballer après. Deux broderies, trois broderies, je vais le dire. Waouh! Ah ouais, il veut que je bosse. Allez, on va ouvrir la première. Je vais les sortir. Alors, je peux pas me mettre face bureau. Parce que déjà j'ai laissé le grand pied en bas et pour l'histoire de mes du bras que pour moi filmer celui qui est en bas, donc je vous l'ai dit, il était cassé, j'ai cassé, je sais pas comment j'ai fait, mais le vendeur de chez Amazon m'en renvoie tout neuf, donc c'est super. Allez, on va ouvrir le premier. Et on était en panne d'internet encore, hier soir. Et du coup, ce matin, on est allé, on a téléphoné, j'ai téléphoné chez Bouygues. J'ai dit, maintenant, je rigole plus, vous me donnez un code pour que j'ai une nouvelle box. Donc, ça va, il n'a pas cherché à comprendre. Il m'a donné un code et ce matin, du coup, on a été chercher la nouvelle box chez au magasin Bouygues. Voilà. Alors,
Il faut la lumière. Ah, alors, moi, je suis très mauvaise dans les noms de dessins animés. Donc, je vais essayer avant de mettre la vidéo en ligne, j'essaierai d'avoir Ludovic pour qu'il me donne les noms. Parce que moi, je suis très, très mauvaise pour les noms des dessins animés. Voilà. Ah, ben, j'ai le petit dessin. Ah, ben, c'est bien. Ah! Ouais, ça me dit quelque chose. Mais bon, je suis quand même très mauvaise pour vous dire le nom. Voilà. Donc, si vous le savez, bah, dites-le moi. Voilà. Je sais pas si c'est pas dans Nemo, ça. Je sais plus. Enfin, je vérifierai. Si j'ai le nom du dessin animé, je vous le remarque en bas. Voilà. Donc, c'est les broderies où tout le fond est noir. Les broderies de, bah, de dessins animés, justement. Alors, il a 24 couleurs. Il vient de la compagnie sans nom, si je ne me trompe pas. Donc, voilà le patron papier. On a dedans aussi ben, les instructions, hein, comme d'habitude. Ça, je n'explique plus. Hein, on a tout, on les a presque à chaque fois. La toile. Alors, c'est, ça va, elle est pas trop, trop grande. C'est une 40-50. Oh, ça va, elle va être facile à faire. Oh, ouais. Ouais, elle va être facile à faire. Je vois pas, il n'y a pas de réel confetti, il y a beaucoup de blocs, donc elle va être vraiment très facile à faire. Voilà, je vous montre de plus près. Voyez, c'est nickel. Je remets ça dedans. Et au niveau des fils, alors on a une grosse échevette. Alors c'est du bleu marine. Voilà. Et bien sûr, on va avoir beaucoup de bleu. Attendez. Un petit coup de peigne. Voilà les couleurs. Vraiment des jolis bleus, un peu de vert, un peu de marron, un peu d'orange, du jaune, différents jaunes. Un vert ici, le vert jaune, un ocre, un bleu ciel, un marron. Et pour terminer, on a encore des bleus. Un rouge, un ouais, ça doit être kaki et du blanc. Voilà. Est-ce que c'est du vrai blanc? Non, c'est pas encore le vrai blanc. C'est pas le 52 5200. Alors, déjà, merci pour celle-là de toile. Alors, je vais tout bien remballer après hein, pour éviter de faire trop de bruit. Hop, c'est là. La deuxième. Oui, c'est vrai que ces sachets font du bruit, c'est. Mais bon, j'aurais dû les déballer avant, mais je ne pouvais pas, puisque je ne savais pas ce qu'il y avait dans la boîte. C'est la surprise complète. Ah, c'est bien parce que les fonds sont pas tous en noir. Ah, c'est cool. Donc, je suppose que c'est un dessin animé aussi. Oh! Ah oh, oui! Ah, oh, c'est top! Alors, je vais essayer de vous montrer le dessin. Voilà, c'est la tête de Mickey. Et dans sa tête, il y a tous les petits personnages. Donc, c'est tous des copains Mickey, ça, je suppose. Hein. Voilà, il y a Mickey en magicien. Il y a. Je crois qu'il y a une tête d'éléphant. Ça doit être James, non, Dingo. Dans Mickey. Walt Disney, c'est Dingo, hein, je crois. Ouais.
Il y a Alice au pays des merveilles. Il y a Bambi. Bon, c'est un peu fou. Je vais essayer de retrouver la photo pour vous la mettre. Voilà. Oh, mais c'est super ça. C'est joli. Donc, une petite toile. La toile, elle fait combien? 40 sur 45. Voilà. Et niveau pareil, pas de confetti pour embêter le monde. Et voilà. Mickey avec plein de petits personnages dedans. Super, voyez. Bon, là, c'est vrai que quand c'est en estampé, on ne se rend pas bien compte, hein. Mais vraiment très beau. Et au niveau des fils, donc là, si je comprends, le fond va être vert. Et il y en a. J'ai quatre échevettes comme ceci de vert. Voyez, ah, voilà, avec la lumière. Peut-être si je me mets plus par là. Voilà. Voyez, un vert sapin. Donc là, j'en ai quatre. Et niveau des couleurs, là, il y a de tout. Ah, j'en ai deux. Alors, attendez. Hop, je vais d'abord vous montrer la petite. Voilà. Donc, un vert, un plus foncé, un plus clair. Alors, attendez, là, ça fait trop. Voilà. Un blanc et un beige un peu rosé. Et ici, on a une explosion de couleurs. Alors, il y a du blanc. Alors là, c'est du rosé très clair. Il y a du bleu foncé, plus clair, du rose foncé, plus clair, un bleu roi, un jaune pétant, du vert, voilà, différents beiges, du bleu, du rouille, là c'est rouille, là c'est bordeaux, là c'est un rouille un peu plus orangé, marron, du vert, ici c'est du... Bon, je vais dire un genre de beige doré, et de l'autre côté du bleu marine, un autre rose très clair, du bleu, jaune, orange, du vert clair. C'est un vert, oh, je reviens plus sur le nom, mais bon. Encore un orange, un prune. Rouge. Après, on a du vert encore. C'est ça? Non, c'est un gris. Pardon, on le voit vert là, mais c'est un gris. Un orange plus clair. Un vert très clair. Ici, un saumon. Du gris, du marron, du non. C'est un noir, ça? Ouais, c'est un noir. Là, un vert un peu pomme, un bleu ciel. Voilà. Je crois que je vous ai montré l'autre côté aussi. Super couleur. Ça va faire très beau, je pense, ce petit ouvrage. Bon, par contre, Ludovic, je ne sais pas quand est-ce que je vais les commencer, hein. Mais je les ferai. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et le dernier, là je vois déjà le dessin. Oh, oh joli. Oh, pardon. J'étais plus au mieux. Alors, ce sont tous des compagnies sans nom, hein, la marque. Ah, j'ai un petit toolkit. Voilà. Avec deux enfiles aiguilles,
Il y a deux aiguilles et le petit anneau en métal doré là. Alors, ah, c'est dommage que les photos sont floues. Mais c'est pareil, je vais essayer de retrouver pour vous montrer. Voilà. Ah, moi, ça va, on le voit bien quand même. Un magnifique tigre. Il est trop, trop beau. Ah, il est beau. Et les couleurs que je vois sont très, très belles. Alors, la grille. Enfin, la grille, la toile. Bon, là, il va y avoir un peu plus de confettis. Il y aura un peu plus de confettis. Mais bon, ça va. On s'en sortira. Il est très beau. Alors, voilà la toile. Hop, hop, hop. Je vous montre. Et ici, dans le milieu, il y a du confetti. Mais bon, ça va. Très, très beau. Les toiles sont un peu rêches, comme d'habitude. Mais, oh! Je viens de vous le montrer à l'envers. Je vous ai montré, je vous ai mis comme ça, hein, je crois. Mais c'est comme ça. Excusez-moi. Je vous l'ai montré à l'envers. Oh là là. Donc voilà, là il est dans le bon sens. Bon, vous n'en voyez pas plus, hein, de toute façon, mais les confettis sont surtout là, au milieu, au niveau du museau. Mais il est très bien. Alors, la mesure de la toile, c'est une 50 sur 66. Alors, si j'y pense, je vous mettrai les nombres de petits. Vous savez que j'aime bien mettre ça. Ça décourage certaines personnes, mais moi j'aime bien. J'essaierai de vous marquer si j'oublie pas, le nombre de croix à broder sur chaque toile. Voilà, et au niveau des couleurs, il y a de l'échevette supplémentaire. Hein. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Alors, en échevette supplémentaire, là, ça c'est, bah oui, hein, c'est le 310. Alors, est-ce qu'on en a encore là? Oui, on en a encore un là. Voilà, 4 échevettes de noir, voilà, les fils sont très doux, hein. Ils sont beaux. Donc, 4 grosses échevettes de noir, une, alors c'est gris, voilà, donc c'est le combien? Le 844, voilà. Une de bleu marine. Et là, on a... Non, il n'y en a que deux, oui. Et deux échevettes supplémentaires comme ceci, de bleu... ouais, c'est un genre de bleu roi. Voilà. Très joli. Et les couleurs, beaucoup de bleu. C'est étonnant, mais j'ai vu que le dessin, le tigre avait beaucoup de bleu dans le... Dans le visage. Oui. Ouais, il a un visage, hein, le tigre. Alors, hop, je vous montre d'abord la petite. Voilà. Elles vont bien ensemble, en plus, ces deux couleurs. Voilà. Un beige et un bleu turquoise. Il y a combien de couleurs? Je ne vous ai pas dit. 38. Donc, 38 couleurs. Hop. Allez, un petit coup de peigne. Alors, les premières, les voici. Hop.
Il y a du rose, il y a du marron, du beige, un autre marron, bleu, un bleu électrique, un rouge, un bleu roi, bleu ciel, bleu jean, un bleu marine un peu plus clair, du orange, du vert, du prune, un bleu turquoise, un vert, un ocre, et là c'est un, bah, c'est le noir ça, ouais, c'est peut-être le noir, oui, ça c'est le noir. Oh mais il y avait encore une, oh, bah. Ah comment ils l'ont mis, et il y a une échevette là, elle est entortillée dans le, donc elle est restée en échevette mais ils l'ont mis là. C'est rigolo. Marron, un autre turquoise, du vert, du bleu ciel, du vert pâle, un ocre plus foncé, encore un bleu pétant, là, un genre de turquoise. Ça, c'est un vert d'eau très clair. Voilà, un orange. Enfin, c'est pas orange, c'est un rouille. Voilà, du bleu, du marron clair, du bleu, du vert, un ocre, une autre sorte de ocre. Donc là, les chevettes violettes que je vous ai montrées. Et on termine par deux bleus. Des magnifiques couleurs. Je crois qu'il va être super beau celui-là. Enfin, tous les trois, hein, je rassure. Mais et celui-là va être vraiment, par les couleurs, je pense... Allez, donc voilà ben le joli cadeau que Ludovic nous a envoyé pour moi et Chouchou. On est super contents. Ben là, maintenant, je vais aller faire découvrir à Chouchou ce qu'il a eu. Il va être content. Moi, j'ai du taf, hein, voilà. Mais c'est nickel, j'adore. Encore un énorme merci, Ludovic, de nous deux. Voilà, de Chouchou et de moi. Tu nous as super bien gâtés. Et puis ta boîte là, je vais la garder, du coup elle va me servir pour ranger des choses, pourquoi pas y ranger des broderies. Non mais encore un grand merci. Et puis ben, qu'est-ce que je peux vous dire à tous, un gros bisou à tous, voilà. J'adore quand je reçois des boîtes comme ça, surprise, c'est nickel, j'adore ça. Je vais vous faire à tous des gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous et encore un grand merci.